invité qui arrive. On a juste quitté 5 minutes. C'était assez étrange. Ouais, je sais pas, il y a un problème avec la moelle épinière, c'est ça? Je sais pas, non. La moelle osseuse? Ouais. Ok, encore, c'est encore un truc d'Ogrel, ça. C'est les Ogrel, ils font jamais les trucs normaux. Ok, ouais, je te... Attends, je te rappelle. Ouais, je te rappelle demain, c'est ça? Ouais, ouais, ok, ça marche. Ok, ok, baby, bisous. Ouais, ciao. Ouais, bonne soirée, je bosse. Ouais, ouais, ciao, ciao.
Bonsoir tout le monde. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle le débat sur le thème pour une politique ambitieuse du grand âge. Ce débat a été demandé par le groupe Liot. À la demande de ce dernier, il se tient en salle Lamartine afin que des personnalités extérieures puissent être interrogées. La conférence des présidents a décidé d'organiser ce débat en deux parties. Nous commencerons par une table ronde en présence de personnalités invitées d'une durée d'une heure. Puis nous procéderons, après avoir entendu une intervention liminaire du gouvernement, à une nouvelle séquence de questions-réponses d'une durée d'une heure également. La durée des questions et des réponses sera limitée à 2 minutes sans droit de réplique. Pour la première phase du débat, je souhaite la bienvenue à Madame Myriam El Khomri, ancienne ministre du Travail, auteure d'un rapport sur l'attractivité des métiers dans le secteur du grand âge, en charge de l'atelier numéro 3 du Conseil national de la refondation « Bien vieillir sur la valorisation des métiers ». Monsieur Thierry Daboville, secrétaire général du réseau Aide à domicile en milieu rural, et Madame Jocelyne Cabanal, secrétaire nationale de la Fédération CFDT Santé Sociaux, qui sont toutes et tous accompagnées d'une personne. Je vais donner maintenant la parole à chacun de nos invités pour une intervention d'environ 5 minutes. Pour les duos, ce sera 5 minutes aussi. Je précise, je suis le maître du temps. La parole est à Madame Myriam El Khomri. Merci. Bonsoir à toutes et tous, mesdames et messieurs les députés. J'ai le plaisir d'être accompagnée d'Afna Mouchnik. Nous avons copiloté ensemble les ateliers du CNR depuis novembre dernier sur le bien vieillir et tout particulièrement sur la partie attractivité des métiers. Il nous a semblé extrêmement important dans ce cadre-là de concentrer nos réflexions sur les intervenants à domicile, également sur les enjeux de formation et sur les enjeux d'amélioration des conditions de travail et de qualité de vie au travail. Nous allons remettre demain à 14h notre feuille de route issue de ces débats qui ont été assez riches. Nous avons eu la chance d'avoir de nombreux professionnels qui se sont mobilisés à cette occasion. Mais nous avons aussi malheureusement un constat un petit peu global sur le sujet de l'attractivité de ces métiers, à savoir que c'est des métiers qui ont énormément de sens, ce sont des métiers d'avenir dont on a besoin sur tout le territoire national, non automatisables, non délocalisables, mais néanmoins en difficulté. Et ce que nous allons prôner dès demain, c'est à la fois de sortir d'une forme de taylorisation du travail, de sortir aussi des temps qu'on dit improductifs. Donc nous allons formuler des propositions relatives au financement des services d'aide à domicile pour sortir notamment de la tarification à l'heure telle qu'elle existe aujourd'hui et qui ne prend pas en compte la réalité de tout le lien et de tous les temps qui sont faits auprès du public. Nous allons aussi porter des propositions liées aux enjeux notamment de baisse de la sinistralité puisqu'elle est extrêmement importante. Le taux de fréquence dans ce secteur est de 100 pour 1000 salariés quand la moyenne des salariés français est de 30 pour 1000. Donc on voit bien que là on a une sinistralité qui est record. Et donc la question du temps et de ne pas avoir à choisir entre faire vite et faire bien est un élément qui est revenu tout au long. Et nous avons également des propositions en matière de formation. Il me reste plus que 30 secondes pour passer la parole à ma collègue. Je voudrais juste dire que nous avons un taux de travailleurs pauvres, notamment parmi les intervenants à domicile, qui est de près de 18% quand la moyenne des salariés français est à 6%, 6,9% précisément. Donc nous voyons bien, et c'est le sens des propositions que nous allons formuler, que nous avons besoin, que c'est un secteur malheureusement qui est sous-financé structurellement et que les propositions que nous portons et la réforme systémique que nous portons, puisque si nous voulons rendre ces métiers attractifs, il faut travailler à la fois sur les conditions d'emploi, de rémunération, de formation et de qualité de vie au travail. C'est un peu le sens de ce que nous allons porter demain. Bonsoir. Alors, moi, vous dire que je suis directrice d'un service d'aide à domicile, vous dire que tous les jours, nous sommes confrontés au fait de ne
pas pouvoir accompagner et soutenir des gens à domicile faute de professionnels en nombre suffisant. Vous dire que quand on le peut, nous intervenons auprès de personnes qui ne peuvent pas se lever, se laver, manger seules et que nous disposons que de 2 heures ou 2 heures et demie de temps par jour pour ces personnes-là. Et que donc, du coup, les professionnels qui se rendent auprès d'elles sont obligés de fractionner terriblement leur temps d'intervention et referment la porte parfois alors même que la personne a toujours et encore besoin d'aide. Donc, une des mesures fortes qui auraient du sens à la fois pour la qualité de vie des gens qu'on accompagne, mais aussi pour la qualité de vie au travail des personnes qui les soutiennent, serait de tripler les GIR 1 et 2. C'est-à-dire, voilà, au lieu d'avoir 2 heures, d'en avoir 6, ce qui est quand même pas complètement délirant. Voilà, tous les professionnels que nous avons rencontrés, et ils étaient très nombreux à s'être déplacés et à s'investir dans cette démarche. Alors que, bon, bref, tous ont dit que ce qu'ils souhaitaient avant tout, c'était du temps. Pouvoir accompagner correctement les gens, pouvoir disposer de suffisamment de temps pour cela. Et il y a de nombreux moyens de pouvoir y arriver en augmentant le taux d'encadrement dans les établissements et en augmentant de façon significative le temps passé auprès des gens à domicile. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Voilà. Bon, bah alors du coup, on a fait moins de 5 minutes. Si vous lancez un concours, va falloir être brillant pour les prochains. La parole est à monsieur Thierry Daboville. Oui, bonjour madame la présidente, bonjour mesdames et messieurs les députés. Vous dire déjà rapidement la DMR que je représente. Donc c'est un réseau qui existe depuis 1945, qui est un réseau qui, dès l'origine, porte 2 ambitions, créer de l'emploi et de l'emploi de proximité, on en a parlé à l'instant, et puis permettre à l'ensemble de la population de rester chez elle. C'est un réseau qui a un modèle un peu particulier, puisque ce sont des associations locales qui maillent l'ensemble du territoire français, 2600 associations locales qui sont dans le service, dans l'intervention à domicile. Chaque association locale est regroupée au sein d'une fédération départementale, qui est à la fois une fédération politique, puisque c'est elle qui contracte avec les départements, avec l'ARS et l'ensemble des institutions, et puis en même temps une fédération de moyens. Et l'ensemble de ces acteurs, associations locales, fédérations départementales, adhèrent à une union nationale qui, là aussi, est une fédération politique, puisqu'elle elle travaille avec les ministères, les directions centrales, l'ensemble parlement, et puis une fédération de moyens avec des mutualisations extrêmement fortes, à la fois au niveau départemental et au niveau national. Je vais prendre juste un exemple, le système d'information. Nous avons un système d'information depuis de très nombreuses années qui est un système d'information national. On intervient de la naissance à la fin de vie. Alors aujourd'hui, c'est la question du bien vieillir, mais on intervient aussi bien sur les personnes, sur les familles avec les TISF, mais aussi dans le domaine de la petite enfance, avec 250 structures en France, crèches, micro-crèches, etc. On intervient auprès des personnes vivant avec un handicap, auprès des seniors, dans l'aide, mais aussi le soin, avec des SIAD et des centres de santé infirmiers ou des centres de santé polyvalents. Et puis, nous intervenons enfin sur l'entretien de la maison. Tout ça, c'est 94 000 salariés, à peu près 80 000 bénévoles. C'est aussi une des spécificités de notre réseau. Par rapport à... Je vais revenir sur la question de la PPL et donc de se bien vieillir. Il nous semble important d'être ambitieux sur cette future loi, car aujourd'hui on est confronté à beaucoup de difficultés, à la fois des difficultés, ça a été dit, d'attractivité, des difficultés en termes de financement, et les défis devant nous sont nombreux, sont immenses, et il nous faut pouvoir répondre à ce que notre société attend.
Et donc, je pense qu'il faut arriver à des, dans cette future loi, des apports très, très structurels. Je vais prendre un exemple, celui sortir, par exemple, de la dotation horaire. Il faut aller sur des dotations globales, comme aujourd'hui, ça se fait, par exemple, dans un certain nombre de départements, nous portons des autorisations pour les SIAD, et nous pilotons et nous rendons compte, bien évidemment, des financements qui nous sont donnés par les ARS. Je pense qu'il faut sortir, oui, de ce fractionnement et faire confiance aux acteurs, quels qu'ils soient, qui sont en capacité de piloter, de gérer et de rendre compte, bien évidemment, au département tout particulièrement. Il y a la question qui a celui de la qualité de vie au travail, qui est porte un enjeu essentiel, et je pense tout particulièrement à celui de la mobilité, qui est un vrai enjeu. Je vais prendre juste le cas de notre réseau, c'est 300 millions de kilomètres par an que nos salariés font. Donc vous pensez bien que c'est un enjeu très important, et c'est aussi un enjeu en termes de RSE, hein, d'écologie, et il ne faut pas l'oublier, bien loin de là. Donc il y a un certain nombre de dossiers très importants, de réformes très importantes qui me semblent importants de pouvoir mettre en œuvre si on veut répondre aux défis qui sont devant nous. Merci, Monsieur Daboville. La parole est à Madame Jocelyne Cabanal. Oui, bonjour. Merci de nous permettre de nous exprimer sur toutes les attentes autour de ce bien vieillir et la prise en charge du grand âge. Donc, je suis Jocelyne Cabanal, je suis secrétaire nationale à la CFDT en charge des sujets de protection sociale. Et je suis venue accompagnée de Xavier Becker, qui est notre expert sur le sujet. Alors, tout d'abord, vous dire à quel point il y a une attente forte des personnes que nous représentons, à la fois les salariés du secteur, mais les salariés tout court, qui sont confrontés soit à titre personnel par la perte d'autonomie ou par la perte d'autonomie de leurs proches. C'est vraiment un sujet de société qui traverse tout le monde, toutes les entreprises, tous les foyers, et qui mérite d'être pris à la hauteur, en fait, des besoins qui s'expriment. Alors, dans la suite de ce que disaient mes prédécesseurs, je pense que ce qu'on voudrait poser, c'est que, avant tout, il n'y a pas de qualité de la prise en charge s'il n'y a pas de qualité de vie au travail des personnes qui s'en occupent. Et aujourd'hui, on peut dire assez clairement qu'il y a des dysfonctionnements qui sont des dysfonctionnements structurels. Donc, il faut vraiment arriver à envisager une reconnaissance des professionnels, de l'ensemble du cadre de leur emploi, de l'exercice de leur travail, si on veut arriver à changer les choses et faire prendre en compte dignement les personnes qu'on accompagne. Et les réformes que nous souhaitons qu'elles soient vraiment centrées sur la qualité de vie, la dignité, la citoyenneté et l'émancipation, donc pour le maintien de l'autonomie. Donc ça passe, on l'a dit, par une meilleure reconnaissance des professionnels. Ça passe aussi, il nous semble, par une lutte contre les inégalités sociales, les inégalités territoriales. Aujourd'hui, tout le monde n'a pas la même espérance de vie en bonne santé. Et selon le territoire où l'on habite, on n'aura pas forcément la même prise en charge, la même qualité de prise en charge. Donc il y a un sujet vraiment, pour nous, cette recherche de l'égalité entre tout le monde pour pouvoir vivre et vieillir dignement est là aussi fondamentale. Alors, ça suppose une transformation massive de notre système et donc de poser le sujet de sa gouvernance. Aujourd'hui, la CNSA, la cinquième branche, a vu le jour et c'est une très bonne chose. Mais nous pouvons tous nous accorder à dire que les financements ne sont pas à la hauteur des besoins et que même les marges de manœuvre d'action ne sont pas non plus au rendez-vous. Et au niveau de la CFDT, nous souhaiterions vraiment voir une déclinaison de la CNSA comme une vraie caisse de sécurité sociale dans sa gouvernance nationale, c'est-à-dire avec des partenaires sociaux qui soient en capacité de peser réellement dans les décisions, mais aussi une déclinaison territoriale, de façon à ce que le service public territorial de l'autonomie qui se met en place ne soit pas limité à une gouvernance entre ARS et département, mais bien avec une déclinaison de la CNSA.
Ensuite, nous souhaiterions voir décliner une vraie logique de prévention organisée sur les territoires, notamment autour des CPTS. J'irai pas plus loin sur ces thématiques-là pour parler du financement, parce que toutes ces propositions demandent un financement qui nous paraît nécessaire de penser comme un financement public, national et mutualisé, et donc qui suppose qu'on se donne les moyens de ces ambitions-là. Dans les propositions que nous portons, il y en a une spécifique que je souhaite évoquer, c'est celle de la taxation des transmissions. Taxation des transmissions dès le premier euro, de façon à ce qu'on soit en capacité de financer. Aujourd'hui, le constat qu'on fait, c'est que selon les moyens dont on dispose, la prise en charge de ce maintien de l'autonomie va être plus ou moins facilitée. Or, il nous semble qu'agir sur cette transmission, on sait que ce n'est pas forcément quelque chose de facile à poser. Pour autant, il nous semble que c'est une mesure de justice sociale et c'est une façon de financer qui ne pèsera ni sur le pouvoir d'achat des travailleurs, ni sur la compétitivité des entreprises. Et il nous semble que dans la période, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc, au niveau des lois qui sont en cours, il nous semble qu'il faut changer d'échelle et donc avoir des ambitions réellement fortes en la matière, avoir une vision systémique à la fois pour le maintien à domicile, mais aussi en établissement, parce que là aussi, beaucoup de choses sont à faire. Merci. Je vous remercie. Nous en venons aux questions. J'invite tous ceux qui souhaitent intervenir dans la table ronde à s'inscrire auprès de la direction de la séance. Chaque question sera immédiatement suivie de sa réponse afin que le débat soit le plus fluide possible. La première question va être posée par M. Laurent Panifous du groupe Liot à l'initiative de ce débat. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Mesdames, Messieurs, chers collègues. Beaucoup de rapports ont été rédigés ces dernières années pour dire toutes les difficultés que pouvait rencontrer le secteur du grand âge, que ce soit en établissement ou à domicile. Ces rapports, quels qu'ils soient, ont très souvent ciblé des choses parfaitement exactes, des manques. Et je crois que, quels que soient les bancs, comme on dit ici, les gens sont à peu près d'accord sur ce qu'il faudrait faire pour arriver à une situation où, que ce soit à domicile ou un établissement, nous ayons un accompagnement de qualité pour les usagers, mais aussi des conditions de travail dignes pour ceux qui accompagnent ces personnes à domicile ou en établissement. Malheureusement, les années passent et les fameux plans sont toujours repoussés. Il semblait y en avoir un ces dernières années. La crise sanitaire est passée par là. Aujourd'hui, en ce moment, en commission, est étudiée une loi, la loi dite « bien vieillir ». Alors, les premières heures passées après l'étude de cette loi, c'est quand même une très grande déception. Et je vous ai entendu tout à l'heure parler de cette loi bien vieillir. Et quand nous constatons que le compte rendu de la consultation n'est pas encore connu et que nous sommes déjà en train de discuter de la loi qui, si j'avais bien compris, mais apparemment je me suis trompé, était une des conséquences, une des conclusions de ce travail auprès des citoyens. Donc j'en viens à penser, à espérer, c'est ce qu'on a pu dire tout à l'heure en commission, c'est que nous espérons tous qu'il y aura un fameux plan grand âge qui arrivera demain, qui amènera les moyens que tous ces rapports ont bien sûr mis à juste titre en avant. Ce sont des moyens humains, ce sont aussi la question de la formation des personnels, de la qualification des gens qui interviennent à domicile. Et la grande question qui vient derrière, et qui est peut-être la seule forte que l'on doit se poser aujourd'hui, c'est, vous l'avez peut-être dit, c'est comment est-ce qu'on va financer ces moyens. Donc on sait qu'il y a une échelle de 10 milliards probablement à aller chercher. Vers qui allons-nous chercher ces 10 milliards vers les transactions, vers le capital, vers l'assurance privée? Là, ce sont clairement des choix politiques. Oui, c'est pas grave. Je dois terminer, Madame la Présidente. Oui. Voilà, j'espère qu'on sera en capacité très vite, j'ai terminé, très vite de faire un plan grand âge sérieux, ambitieux, et que des choix politiques se fassent pour savoir comment on le finance. Merci. Merci, monsieur le député. Alors, par contre, à qui s'adressait votre question? Alors,
Alors désolé un petit peu à tout le monde, mais peut-être Madame El Khomri. J'ai un temps de réponse limité, juste. Mais quel est le temps juste, pardon? Deux minutes, d'accord. Alors, on n'a pas traité la question du financement, mais la question qui nous était posée, c'est comment on rend attractifs ces métiers. Aujourd'hui, lorsque vous avez un taux d'absentéisme entre 8 à 15% dans les EHPAD ou entre 10 à 20% dans les SAD, vous le payez. C'est-à-dire que quand on sait qu'un point d'absentéisme, c'est entre 1 à 2 points de masse salariale, aujourd'hui, c'est payé. Donc, il faut savoir, enfin, nous, la logique qui a été la nôtre, a été de se dire, c'est un investissement. Lorsque vous avez, il n'y a pas d'étanchéité entre ce qui peut se passer entre le domicile et les urgences de l'hôpital. Donc, il y a plein de coûts cachés aujourd'hui qui, pour nous, vu la situation dans laquelle on est, vu le taux de travailleurs pauvres, par exemple, chez les intervenants à domicile, vu, il y a eu le Ségur de la santé qui a été vraiment quelque chose d'important, notamment pour les aides-soignants dans les EHPAD. Néanmoins, aujourd'hui, et ça c'est une différence par rapport à 2019, où j'avais fait le rapport collectif sur l'attractivité des métiers du grand âge, c'est qu'aujourd'hui on est dans une telle pénurie que beaucoup de personnes sont embauchées sans être absolument pas formées, que ce soit en EHPAD ou en SAD. Donc on voit bien qu'on a besoin de financement de la formation continue, parce qu'il n'y a pas un meilleur levier d'engagement d'un collaborateur que de lui dire aussi ses perspectives d'évolution. Et clairement, une aide-soignante ne peut plus se faire payer sa proa depuis octobre 2022. On lui dit, ben, revenez en janvier. Donc, en effet, sur l'alternance, il y a eu des choses qui ont été faites. Sur la tarification des services d'aide à domicile, il y a aussi des choses qui ont été faites, le tarif socle, et le tarif plancher pardon, et les 3 euros qualité. La réalité aujourd'hui, c'est que les rémunérations des aides à domicile ne sont pas à la hauteur des enjeux. Et surtout, autant en 2019, il y avait beaucoup de temps partiel subi, aujourd'hui, elles le disent elles-mêmes, c'est travailler moins pour gagner plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avoir un temps plein leur coûterait plus cher en termes de frais de garde parce que leurs indemnités kilométriques ne sont pas prises en charge. Donc nous, ce que nous disons dans ce rapport, finalement, c'est de sortir de ce système de tarification à l'heure parce que c'est un système qui repose sur une taylorisation du métier alors même que leur métier, c'est faire du lien, c'est aider à faire, c'est ne pas perdre son autonomie, préserver autant que possible son autonomie, et qu'aujourd'hui, finalement, c'est nous-mêmes qui nous les mettons dans un conflit de valeurs, c'est-à-dire que leur métier, elles l'aiment, ils ont du, ce métier a du sens, mais la manière dont ils s'exercent aujourd'hui fait perdre le sens. Et je pense que c'est ça qui est important, vraiment, et donc le système tel qu'il est fait, même avec les 3 euros qualité, notre réponse à nous est de dire que ça ne permettra pas de rendre attractif ce métier. Merci. C'est une réponse, je suis désolée. Pensez à bien, en posant votre question, préciser à qui s'adresse la question. Je vous remercie. J'apprends tout comme vous, là. Pour le groupe LFI, Martine Etienne. Ah, ça marche. Merci, Madame la Présidente. Ma question portera sur les politiques d'autonomie et du maintien à domicile des personnes âgées. Aujourd'hui, plus de 85% des Français souhaitent vieillir à domicile auprès de leurs proches et dans leur environnement habituel. Mais le secteur de l'aide à domicile reste le grand laissé pour compte des politiques publiques. Les professionnels ont longtemps été oubliés du Ségur de la santé et les proches aidants ne sont pas suffisamment accompagnés. Le premier quinquennat d'Emmanuel Macron a été désastreux. Les conditions de vie des personnes âgées se sont dégradées. La loi Grand Âge a été abandonnée et la 5e branche de la sécurité sociale est vide et inadaptée aux besoins. La réforme des retraites va empirer les choses en précarisant les personnes âgées qui vivent déjà sous le seuil de pauvreté et en augmentant le risque de maladies graves au moment de la retraite. Il est grand temps de revaloriser les métiers de l'aide à domicile. À la France insoumise, nous réclamons la mise en place d'un service public de la dépendance et le développement d'établissements publics du maintien à domicile. Nous proposons de créer un guichet unique de l'autonomie sur chaque territoire pour renforcer les dispositifs d'accompagnement et d'information. En ce qui concerne les proches aidants, il est urgent d'élargir le droit à la formation, d'œuvrer pour un réel droit au répit
en permettant réellement le relayage à domicile et de recenser les besoins en matériel pour qu'aucun bénéficiaire ne soit laissé pour compte. Pour les professionnels, et vous le préconisiez déjà dans votre rapport, Madame El Khomri, il faut dès aujourd'hui revaloriser les carrières et les salaires. Pour ça, nous proposons de généraliser les CDI à temps plein, de mettre en place un fonctionnement à la tournée ou encore de prendre en compte la durée de déplacement dans le calcul des horaires de travail en même temps. Donc, les tournées et prendre en compte le déplacement dans le calcul des horaires de travail. En ce moment, même la loi pour bâtir la société du bien vieillir est examinée en commission. Tous les amendements que nous avons déposés recensant les besoins des aides à domicile, les revalorisations des financements et le financement du secteur de la dépendance ont été jugés irrecevables. Alors ma question sera simple et s'adressera au gouvernement. Pour revaloriser le secteur de l'aide à domicile et le secteur de l'autonomie en général, que proposez-vous ? Merci Madame Étienne. Alors vu que le gouvernement c'est tout à l'heure, je propose que quelqu'un se dévoue. Sans prétention, vous dire simplement que ce que je vois sur le terrain, la situation dramatique du secteur du domicile, elle est directement liée à la façon dont on finance aujourd'hui la perte d'autonomie en France. En fait, on ne finance que ce qu'on voit et que le temps passé auprès des gens qui, comme je le disais en introduction de façon un peu rapide tout à l'heure, et tout à fait en deçà de la réalité des personnes qu'on accompagne. Donc déjà, si on passait plus de temps auprès des gens, on diminuerait drastiquement le temps de déplacement. Aujourd'hui, on passe beaucoup de temps à courir d'une maison à l'autre parce que le temps accordé à chaque personne est très court et l'auxiliaire de vie, elle cavale. Si au contraire, on cotait, je ne sais pas comment dire bien, le temps accordé à chacun en fonction de leur... handicap, d'ailleurs, de leur handicap plutôt que de leur âge, parce qu'en fait, s'ils avaient eu ces soucis de santé avant 60 ans, ils auraient beaucoup plus de temps qui leur serait accordé qu'après 60 ans. Donc là, il y a quand même une question d'agisme dans nos politiques sociales qui questionne quand même. Mais en tout cas, si on passait le juste temps auprès de chaque personne, l'auxiliaire de vie, au lieu d'avoir 6 ou 7 personnes dans sa journée, elle n'en aurait plus que 2 ou 3 pour faire un temps plein. Donc les temps de déplacement, déjà, seraient drastiquement diminués. Et puis, il faut arrêter de croire que le travail ne se fait que quand on est près des gens. L'auxiliaire de vie, pour pouvoir faire... correctement les choses. Elle a besoin de s'entretenir avec les proches, elle a besoin de parler avec les infirmières, elle a besoin d'échanger avec ses collègues, la collègue du week-end, la collègue du soir. Elle a besoin de parler avec son service pour dire, bah là, vous avez programmé les choses comme ça, mais à mon sens, c'est quand même mieux d'inverser les choses. Elle a besoin aussi, ça c'est un autre sujet, les services ont besoin qu'on leur redonne de l'autonomie, qu'on leur refasse confiance, parce qu'on a aussi des plans d'aide qui sont... c'est un quart d'heure là, une demi-heure ici, donc qu'on nous fasse confiance, on sait comment accompagner les gens. Enfin, vous voyez, l'auxiliaire de vie, elle a besoin de tout ça. Et tous ces temps-là, ce n'est pas du face-à-face. Or, en fait, c'est ce qu'on appelle du temps improductif en plus, alors que c'est du temps invisible, indispensable. Donc je pense déjà que si on finançait correctement la perte d'autonomie en France, on réduirait drastiquement les difficultés que rencontrent les professionnels. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question et si Monsieur Daboville quelqu'un veut. Non, j'espère avoir su répondre. Merci beaucoup. Pour le groupe Horizon, Monsieur Paul Christophe. Oui, merci Madame la Présidente. Près de 4 millions de nos concitoyens sont proches aidants d'une personne âgée de plus de 60 ans. Ces hommes et ces femmes représentent une aide indispensable pour leurs proches. Ils leur portent assistance dans les tâches du quotidien. Ils sont aussi un soutien moral et bien souvent une aide financière ou matérielle. Cependant, cette implication auprès de leurs proches n'est pas sans conséquence pour leur propre santé. En effet, selon une enquête de la Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques, la DRES, réalisée en 2015, 47% des proches aidants déclarent avoir au moins une conséquence négative sur leur état de santé physique ou psychique. Afin de leur apporter une solution de répit, plusieurs pays ont mis en place le baluchonnage ou le relayage. Pour utiliser le terme français, inventé en 1999 au Québec, cette pratique permet à l'aidant de se reposer, de bénéficier du relais d'un professionnel jusque 24 heures sur 24 au domicile de son proche.
Le professionnel prend alors la place de l'aidant, il réalise les actes de la vie quotidienne et assure une compagnie à la personne âgée. Cette pratique vertueuse permet aussi à la personne âgée de ne pas voir son équilibre de vie bouleversé par un changement d'environnement et un placement provisoire. En France, donc, la loi pour un État au service d'une société de confiance du 10 août 2018 et son article 53 ont permis le lancement d'une expérimentation nationale. Celle-ci avait pour objectif de voir dans quelles conditions les professionnels de 39 établissements des services sociaux ou médico-sociaux pouvaient réaliser une telle démarche. Cette expérimentation doit prendre fin en fin de cette année. J'aurais voulu savoir quelle était votre vision sur cette expérimentation, donc tant sur le point de son financement, du service rendu à la personne, mais aussi en termes de droit au travail, notamment au regard donc des distorsions horaires qu'elle prédispose. Et enfin, vous parliez des métiers. Ne croyez-vous pas que il faudrait organiser une sorte de transversalité dans les métiers entre les EHPAD, le domiciliaire, les établissements médico-sociaux, de telle façon à ce que finalement on puisse organiser une certaine fluidité des métiers en fonction là aussi des appétences, mais aussi parfois de l'incapacité à poursuivre certains exercices de profession. Et enfin, ne faudrait-il pas changer le mot auxiliaire de vie, puisqu'il y a auxiliaire dedans, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt anoblir ce si beau métier ? Merci, monsieur le député. Écoutez, je prends sur différents éléments. Alors, sur la question du baluchonnage, on est très sensible à la question des aidants, à la question du droit au répit, c'est quelque chose de fondamental. Il nous semble toutefois que avoir des professionnels disponibles, formés et qualifiés, ça fait partie des premiers secours possibles aux aidants. Pour autant, on reconnaît ce droit au répit. Il nous semble qu'il y a une vraie tension, en fait, à vouloir mettre en place du baluchonnage en France, aux dépens du Code du travail. Il nous semble qu'il y a beaucoup d'intelligence collective dans le Code du travail et on ne peut pas... quelque part, faire en sorte que pour aider certains, on mette en difficulté d'autres travailleurs. Et très souvent, en fait, les travailleuses qui interviennent à domicile dans le baluchonnage, ce sont des femmes, parfois en fin de carrière, parfois fatiguées. En tous les cas, nous, c'est la vision de certaines remontées que nous avons pu en avoir, qui se trouvent parfois confrontées, selon la façon dont le relayage est organisé, à des familles où il existe une vraie détresse de l'aidant. C'est finalement du répit qui arrive au moment des crises, au moment où la famille ne peut plus finalement mettre en place son accompagnement quotidien. Et donc c'est extrêmement important que on puisse rester dans le cadre du Code du travail. Et des expérimentations montrent que c'est possible. Lorsqu'on adosse des services avec des établissements, lorsqu'il y a un encadrement en fait du temps de travail, parce que travailler 6 jours d'affilée, 24 heures sur 24, ça nous paraît une prise de risque à la fois pour la personne accompagnée, mais aussi pour la travailleuse en question. Et donc, faire en sorte qu'on prévoit un répit à froid, en anticipant avec de la prévention, de façon à ce que la personne qui soit accompagnée ait pu rencontrer les personnes qui vont s'occuper d'elle, ça nous paraît de meilleure teneur. Pour votre dernière question, il nous semble aussi que les travailleurs du secteur du grand âge sont parfois coincés en fait dans des spécialités quelque part, et que organiser une filière du grand âge avec un comité de filière qui permet de la transversalité en matière de formation, avec des passerelles, avec des grilles qui permettent la compatibilité, ça fait partie des éléments de nature à stabiliser en fait le secteur et à permettre enfin une qualité de travail, des vrais parcours professionnels et la reconnaissance de ceux-ci. Je vous remercie. Pour le groupe écologiste, Madame Eva Sas. Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Daphna Mouchnik. Vous avez indiqué tout à l'heure qu'il y avait 18% de travailleurs pauvres, c'était Madame El Khomri qui le disait, dans ces secteurs du grand âge. Et vous avez également souligné le problème du fractionnement des interventions auprès des personnes aidées et la nécessité d'augmenter le temps d'intervention auprès des personnes dépendantes.
Vous avez en ce sens tout à fait raison de souligner que le temps auprès des personnes dépendantes est le cœur de l'amélioration de leur prise en charge. Je souhaiterais savoir si vous avez chiffré le coût de vos propositions et quelles seraient les pistes de financement que vous envisagez. Je voudrais également savoir comment il serait possible d'assurer des parcours professionnels, des possibilités d'évolution, de promotion, de formation de ces personnels, notamment de l'aide à domicile, et comment les modalités de financement devraient évoluer pour permettre ces parcours professionnels. Je vous remercie. Je vous laisse répondre. Je suis très embarrassée. Pardon. Sur le coup, je ne vais pas savoir, moi, vous répondre. Ce que je peux vous dire, ce que je perçois de la place que j'occupe, c'est ce que disait Myriam El Khomri en introduction, c'est qu'en réalité, en mettant ces financements à cet endroit-là, c'est foncièrement faire des économies sur plein d'autres. C'est-à-dire que, évidemment, que de garder les gens en bonne santé plus longtemps, ça fait faire des économies à la collectivité, au-delà du fait que c'est quand même mieux de faire les choses comme ça que de les laisser tomber malades et perdre en autonomie. C'est aussi permettre aux hommes et surtout aux femmes qui les accompagnent de vivre dignement. Et donc aujourd'hui, c'est quand même, elles sont elles aussi soutenues et aidées. Elles aussi, elles mettent leur santé en péril. Il faut savoir qu'aujourd'hui, celles et ceux qui prennent soin sont ceux qui s'abîment le plus, sont ceux qui sont exposés le plus à des accidents de travail, à des licenciements pour inaptitude. Donc tout ça a un coût très important. Mais alors moi, je suis la personne la moins à l'aise avec les chiffres. Donc je suis très embêtée de ne pas pouvoir vous en dire davantage. La difficulté sur la formation, même si on a quand même un peu avancé, notamment grâce à la possibilité de l'alternance, qui est quand même une voie très intéressante pour que les gens puissent s'engager dans les formations tout en étant rémunérés. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on a dans nos services énormément de gens qui étaient déjà rentrés avant sans qualification. Quand il y a eu une réforme de la formation, beaucoup de nos budgets ont été fléchés en direction des chercheurs d'emploi et ça a diminué quand même drastiquement nos plans d'aide internes. Or, en fait, on voit que ce qui fonctionne très bien, et Myriam El Khomri le disait aussi, c'est la formation par les pairs et tout au long de la vie professionnelle dans les services et dans les établissements. Et ça, il faudrait le renforcer d'une manière ou d'une autre. Je vous remercie. Pour le groupe Gauche démocrate et républicaine, Monsieur Pierre Dharréville. Merci, Madame la Présidente. Vous avez tout à l'heure dresser un certain nombre de constats et formuler un certain nombre de propositions qui nous semblent devoir être au cœur du débat public parce qu'elles sont finalement le témoignage d'enjeux qui sont considérables et auxquels nous sommes tous et toutes plus ou moins confrontés à un moment ou à un autre de notre existence. Et il s'avère que vous avez beaucoup évoqué la question de l'attractivité des métiers, une question très récurrente, la question des conditions de travail et de rémunération, la question du temps, avez-vous dit tout à l'heure, dont on dispose pour s'occuper d'une personne, pour que ce travail ait du sens lui-même, sont des questions finalement dont nous parlons de manière très régulière et sur lesquelles j'ai le sentiment que les choses n'avancent pas beaucoup pour être généreux dans mon appréciation. Derrière ça, il y a peut-être deux sujets. Le premier, c'est celui du niveau de protection sociale dont nous bénéficions tout au long de notre vie. Donc comment peut-on faire, puisque je dois choisir m'adresser plutôt à Madame Cabanel, mais ça ne vous privera pas de me répondre après si vous le voulez, sous l'autorité de Madame la Présidente. Concernant le niveau de protection sociale, comment pouvons-nous imaginer peut-être des évolutions qui permettent véritablement de garantir à chacun d'avoir des droits, y compris face à la perte d'autonomie. Celui d'une véritable ambition de service public qui, me semble-t-il, fait un petit peu défaut comme un outil de réponse aux besoins. Vous avez évoqué tout à l'heure la question des bénéfices cachés
des propositions que vous faites, et moi je crois effectivement qu'on ne les mesure pas. Est-ce qu'on peut envisager d'ailleurs d'opérer des chiffrages de ces bénéfices? Je pense notamment aux aidants, Paul Christophe les évoquait tout à l'heure. Il s'avère qu'en réalité, on fait reposer sur eux toute une part de la solidarité nationale et que ça a un coût considérable pour eux, pour elles, mais aussi pour l'ensemble de la société, et que c'est une situation insupportable. Donc il y a une véritable urgence maintenant à agir. Merci, monsieur le député. Vu que vous l'avez demandé très gentiment, j'autorise deux réponses, bien évidemment, qui n'excéderont pas deux minutes. Merci. Alors, oui, il nous semble en fait que, en matière de financement, quelque part, le financement, il est déjà là, parce qu'on finit toujours par payer. Et que soit on paye lorsque la dépendance survient, c'est-à-dire qu'on va mobiliser des ressources personnelles, et dans ce cas-là, il y a une grande injustice selon la capacité qu'on aura ou pas à financer, soit on paye par un sous-financement du secteur, et donc c'est les femmes du secteur qui le payent par leur propre santé, par la sinistralité, soit les aidants, comme vous le disiez, avec un coût qui est pour eux-mêmes, mais aussi un coût pour les entreprises, parce que là, on sait bien que la disponibilité des aidants, c'est en fait des talents qui sont parfois empêchés de s'exprimer. Donc, la question qui se pose au niveau du financement, en fait, c'est pas tant de le trouver que de le mutualiser et de regarder, en fait, comment on va le répartir, ce financement, comment on va répartir ce poids qui, aujourd'hui, pèse de façon très inégale sur les personnes qui sont atteintes d'autonomie et leurs proches, et selon la hauteur des moyens dont ils disposent. Donc, nous, ce qu'il nous semble, c'est qu'il est très important d'avoir un financement public. Et donc, on évoquait tout à l'heure la question d'un financement privé. Ce financement privé, il aura... je veux dire, on va de toute façon sortir l'argent. Et la question qui va se poser, c'est est-ce que la répartition sera juste ou pas? Et donc, quitte à mettre des moyens sur la table, autant le faire de façon, j'allais dire, rationnelle et juste. Et donc... avec des clés de répartition qui soient liées aux besoins et aux moyens des personnes. Donc il y a un certain nombre de pistes. J'ai cité tout à l'heure le fait de taxer les transmissions à partir du premier euro. Il nous semble que c'est, je veux dire, ça reviendrait à 3 milliards par an. Ce serait quand même dommage de s'en priver. Comme je le disais, sans impact sur le pouvoir d'achat. On propose aussi d'élargir en fait la CSA pour que tout le monde y contribue. Il y a vraiment donc des financements qui sont possibles de mettre en place, et donc avec un financement de type sécurité sociale qui serait porté par la CNSA dans un cadre effectivement de service public. Merci beaucoup. Est-ce que peut-être Monsieur Daboville? Non, en ce qui nous concerne, en pensant que c'est la solidarité nationale qui doit porter cette politique-là. Après, moi, je pense qu'il y a un autre sujet qui est, enfin, qui est lié bien évidemment, celui de l'égalité de traitement des personnes âgées. On le voit que d'un département à l'autre, il y a une différence importante. Et il faut mieux être personnes âgées bénéficiaires de l'APA dans tel ou tel département que dans un autre département. Et ça, c'est un véritable sujet. Je pense qu'il faut arriver... Alors, il y a eu un début de travail qui a été fait avec le tarif socle. Hein, donc ça va dans le bon sens. Néanmoins, on voit, en tout cas, en ce qui concerne notre branche de l'aide et de l'accompagnement et des soins à domicile, la BAD, qui représente quand même 250 000 salariés, lorsqu'on a eu cet avenant 43 à notre convention collective, il y a des départements qui n'appliquent pas ce financement. C'est 4,10 €, alors que la moitié est prise en charge par la CNSA, 50%. Donc on arrive à finalement, d'un département à l'autre, un certain nombre de distorsions. Alors, je ne dis pas que les départements n'ont pas joué le jeu, hein, qu'on se comprenne bien. Beaucoup de départements ont joué le jeu, mais un certain nombre de départements n'ont pas été dans cette prise en charge. Et ça, c'est un vrai sujet, hein, et qui pour nous, il convient de trouver des moyens de façon à ce que, finalement, il y a un socle commun.
à l'ensemble des départements, quitte à ce qu'après, bien sûr, les conseils départementaux aient leur propre politique. Ça, c'est bien évidemment, je ne parle pas de... je parle, moi, d'une harmonisation. Hein, voilà, ça c'est, et c'est vrai que la question de, aujourd'hui, de la tarification, l'habilitation, est un sujet important. On voit un certain nombre, là, actuellement, un certain nombre de départements qui sont en train de détarifer nos structures. Et ça veut dire détarification, ça veut dire que, premièrement, il risque d'y avoir des restes à charge plus importants pour les usagers, les bénéficiaires. Et deuxièmement, une opposabilité des conventions collectives qui n'existera plus. Merci beaucoup. Pour le groupe Rassemblement national, Monsieur Jocelyn Decigny. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Mesdames, Messieurs, chers collègues. Je souhaitais vous poser une question et attirer votre attention sur les difficultés de recrutement des personnes aides-soignants à domicile. Madame la ministre, vous avez été en charge du travail et de l'emploi. Vous n'êtes pas sans connaître les difficultés que représente le recrutement sur ces métiers. Vous avez évoqué tout à l'heure les difficultés si les personnes travaillaient à plein temps pour payer les frais liés au trajet. Aujourd'hui, le principal frein au recrutement est justement ces contrats qui sont à des durées partielles et non à plein temps, à 35 heures. Est-ce qu'une aide financière pour l'accompagnement au trajet serait envisageable pour aider les gens, les aides-soignants, à aller jusqu'à des contrats de 35 heures? Est-ce qu'il serait possible également, peut-être, d'envisager une aide financière pour les personnes, donc les enfants, par exemple, qui aident leurs parents à domicile et qui prennent en charge les soins de leur famille? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Madame El Khomri. Merci, madame la présidente. Dans les propositions que nous portons, en effet, nous avons essayé de réfléchir à toutes les solutions qui permettaient de gagner du pouvoir d'achat. Et donc, nous proposons notamment qu'à travers peut-être France 2030, qui est un fonds spécifique, notamment pour mettre à disposition de ces personnes qui interviennent à domicile, des véhicules de service avec remisage à leur domicile et non pas à la structure pour ne pas leur permettre d'autres déplacements. Avec un point de vigilance qui est le nôtre, qui est notamment la situation des départements d'outre-mer, où avec l'octroi de mer, aujourd'hui, très peu de services peuvent développer ce type de proposition. Donc ça, c'est un premier point. S'agissant de la question du temps plein, aujourd'hui, ce que je crois que c'est le fait que nous ayons beaucoup d'heures fragmentées, c'est-à-dire beaucoup de besoins, notamment le matin, beaucoup de besoins le soir, qui font qu'aujourd'hui, on a des difficultés à créer un temps plein. Mais dans certaines structures, je pense à celle de Daphna, ma collègue à côté, il y a aussi des temps pleins. Il y a aussi un jeu qui est celui de la taxe sur les salaires. On sait que la taxe sur les salaires, elle est de 5 points, je crois, pour un mi-temps SMIC, alors qu'elle est de 13 points pour un temps plein SMIC. Donc on voit bien que sur la question de la taxe sur salaire, elle n'encourage pas non plus l'emploi de qualité. La difficulté dans laquelle nous sommes, c'est que autant en 2019, on avait le sentiment qu'il y avait beaucoup de temps partiel subi, autant là, dans les ateliers que nous avons menés, nous avons aujourd'hui beaucoup de temps partiel, malheureusement, enfin plus choisi, on va le dire comme ça, parce que, et une volonté d'être en CDD aussi, beaucoup plus qu'en CDI, et parce qu'il y a à la fois aussi la prime de précarité qui peut être accessible dans ce cadre-là, mais au-delà de ça, c'est le fait de prendre aussi parfois c'est des personnes particulièrement investies, mais à force d'être astreinte, c'est des horaires très fragmentés, à force d'être astreinte, à la base c'est un week-end par mois, mais on se retrouve bien souvent avec 3 week-ends par mois, bah, il y a une forme finalement de sentiment de devoir se, on va dire un petit peu, de se décoller de la structure aussi. Et donc on voit bien que les choses ont changé et que la pénurie de personnel a finalement aggravé quelques situations, plus de... On parle clairement de 10% des demandes d'aide à domicile aujourd'hui qui ne trouvent pas preneur. Donc des personnes qui potentiellement peuvent rester alitées parce qu'il n'y a personne qui peut intervenir à domicile. D'où le fait qu'aujourd'hui, nous ayons beaucoup de personnes qui ne soient absolument pas formées qui interviennent dans les services d'aide à domicile. Donc c'est ça l'urgence. Et c'est vrai que ce que nous prônons, c'est à la fois une réforme systémique, d'essayer de jouer sur tous les leviers. On parlait tout à l'heure
de la question des financements. Bah, pour le coup, pour la branche AT-MP de la sinistralité aujourd'hui, en 2019, au moment du rapport, c'était environ 600 millions d'euros. Donc, vous voyez bien que essayer de créer un autre système beaucoup plus fonctionnel que ça ne l'est aujourd'hui permettrait finalement de rendre attractifs ces métiers. Mais il faut, c'est pas que les conditions de rémunération, c'est les conditions de rémunération, le temps auprès du public, et j'insiste sur le temps. Et puis, c'est aussi à permettre des vrais parcours professionnels qui, aujourd'hui, malheureusement, une fois encore, pas suffisamment de financement de la formation continue. Donc, on fait quoi? On démissionne. On va à Pôle emploi se faire financer via la R2F, rémunération de fin formation, sa formation. Donc, c'est aussi un enjeu de mettre des financements pour la formation continue. Pardon. Je vous remercie. Je remercie nos invités pour leur participation à nos travaux. Et avant de passer à la seconde partie de ce débat, je suspends la séance pour 5 minutes.
La séance est reprise. La parole est à Monsieur Jean-Christophe Combes, ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes Handicapées. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Tout d'abord, je voudrais remercier le groupe Liberté Indépendant Outre-mer et Territoires d'avoir pris l'initiative d'organiser ce débat sur un thème ô combien important. Vous savez sans doute que je serai moi-même demain au ministère des Solidarités avec plusieurs centaines de personnes pour conclure le volet bien vieillir du Conseil national de la Refondation. Et quand on sait qu'en parallèle de ce débat, la Commission des affaires sociales a débuté l'examen d'une proposition de loi portée par les groupes de la majorité présidentielle sur cette même thématique, on voit combien ce sujet suscite une attente extrêmement forte. Cette attente, je pense qu'elle repose notamment sur le fait que nous partageons ici tous des constats et des objectifs. Les constats, ce sont ceux d'un secteur fragilisé par les crises successives, déstabilisé par des difficultés de recrutement et d'organisation du travail. Ce sont ceux d'une perte de confiance des Français à l'égard des EHPAD et d'une attente forte de la population de pouvoir vieillir chez soi jusqu'à la fin de la vie. Les objectifs, ce sont avant tout ceux de préparer la société au vieillissement, de diversifier, de rendre attractif, d'innover, de reconnaître que l'avancée en âge est un formidable levier de richesse humaine, mais aussi de croissance partagée. Et pour tout cela, la question essentielle qui se pose, c'est bien sûr comment avoir des professionnels heureux, épanouis et qui vivent le sens de leur engagement. Tous ces sujets, je les connaissais en prenant mes fonctions. J'avais l'expérience de ces gestionnaires d'établissements qui voyaient les inquiétudes des personnes et des familles s'exprimer chaque jour davantage, les équipes peinaient à exercer leur mission pleinement. Je sentais monter les incertitudes et en même temps, je constatais une formidable énergie que nous avons vue à l'œuvre pendant le Covid, lorsque les liens de proximité se sont créés hors de tout réseau établi, simplement du fait de nos concitoyens. Je n'ai donc pas attendu pour agir, j'ai voulu répondre aux inquiétudes et amplifier cette énergie. Je rappelle que le gouvernement a agi avec force ces derniers mois, d'abord dans un contexte économique difficile pour les structures. Face à l'inflation, l'État a ainsi procédé à une majoration des dotations soins des EHPAD fin 2022 via des crédits complémentaires à hauteur de 440 millions d'euros délégués aux établissements par les ARS pour leur permettre de répondre aux difficultés budgétaires. Nous avons également porté l'intégration des EHPAD au bouclier tarifaire sur les dépenses d'électricité et de gaz avec effet rétroactif en juillet 2022. Surtout, la loi de financement pour la sécurité sociale pour 2023 a permis d'afficher un objectif global de dépenses en hausse de 5,1% pour le champ grand âge et handicap, soit un niveau historiquement élevé. Ont également été budgétés 300 millions d'euros supplémentaires pour renforcer les moyens des EHPAD et leur permettre de mener leur mission d'accompagnement dans de meilleures conditions, par exemple en entamant les recrutements liés à la trajectoire de 50 000 professionnels soignants en plus sur les prochaines années, ou en développant le modèle de l'EHPAD, centre de ressources territoriales. En ce qui concerne le domicile, une enveloppe de 64 millions d'euros a été prévue pour la création de 4 000 places supplémentaires en SIAD. Au total, ce sont 25 000 places qu'il est prévu d'ouvrir d'ici à 2030 pour répondre aux besoins démographiques. Une réforme de la tarification, travaillée depuis plusieurs années, a par ailleurs été votée et entrera en vigueur cette année avec des moyens supplémentaires prévus pour les prises en charge les plus complexes, ainsi que des dotations visant à améliorer la coordination avec les SAD dans la logique de la mise en place des futurs services autonomie. J'ajoute également que le tarif plancher créé en 2022 a été revalorisé et indexé sur un indicateur proche de l'inflation, là aussi pour tenir compte des difficultés financières des structures. En tout, c'est un investissement massif de plus de 10 milliards d'euros qui sera dédié à la branche autonomie entre 2021 et 2026, puisque les financements qui lui sont dédiés vont passer de 32 milliards à 42 milliards sur cette période. Au-delà des enjeux financiers, nous avons bien sûr agi pour les personnes âgées elles-mêmes. Je ne souhaite pas être trop long dans ce propos introductif et concentrerai mon propos sur les questions de confiance. Les difficultés, les scandales ont miné malheureusement la confiance que les Français doivent avoir dans notre politique globale du grand âge et dans ses relais. C'est bien pour cela que la loi de financement de la sécurité sociale que vous avez votée comporte un certain nombre de mesures renforçant la transparence financière des établissements et des groupes d'EHPAD, participant ainsi à l'indispensable choc de confiance et de transparence.
C'est aussi pour cela que j'ai moi-même lancé les états généraux de la maltraitance, qui, en plus de plusieurs saisines effectuées auprès de l'IGAS, du Haut Conseil de Santé publique ou encore de la Conférence nationale de santé, doivent nous permettre de renforcer notre arsenal contre les violences qui nous indignent tous. Enfin, nous avons fixé le cap de l'amélioration de notre système d'accompagnement des personnes à domicile afin de conforter le virage domiciliaire que l'immense majorité des Français appelle de leur vœu. L'ajout de 2 heures de vie sociale à tous les plans d'aide, voté là encore en loi de financement de la Sécurité sociale, y contribuera pleinement. Bien sûr, au-delà de ces premières mesures, j'ai toujours eu conscience de l'importance d'aller encore plus loin. C'est pour cela que tous ces sujets ont irrigué les discussions qui se sont tenues dans le cadre du Conseil national de la refondation. Celui-ci m'a conduit aux quatre coins de la France, en métropole comme en Outre-mer, au contact des personnes âgées, des professionnels, mais aussi des experts. L'objectif n'était pas de reproduire à l'identique ce qui avait déjà été fait, mais pour la première fois, d'aller à la rencontre des citoyens engagés sur l'ensemble de ces questions. Parce que je porte la conviction que c'est d'abord un enjeu de société, au-delà des questions techniques qui occupent déjà notre quotidien. En 2030, un tiers de la population française sera âgée de plus de 60 ans, et les plus de 65 ans seront alors plus nombreux que les moins de 15 ans. Nous devons donc collectivement anticiper cette transition démographique, et c'était bien l'objet du Conseil national de la refondation. Collectivement, parce que ça nous concerne toutes et tous, ce n'est pas que l'affaire des aînés ou des professionnels du grand âge, c'est une question de solidarité intergénérationnelle, de création d'emplois pour les jeunes, d'espaces publics inclusifs qui profitent autant aux parents avec leurs poussettes qu'à nos compatriotes qui utilisent un fauteuil roulant. Voilà, mesdames et messieurs les députés, le cadre dans lequel j'ai inscrit ma réflexion sur cette grande transformation de notre politique du grand âge que nous appelons de nos voeux. Dans le détail, il m'avait semblé indispensable de retenir 3 thématiques pour le CNR, et sur ces 3 thématiques que j'aurai l'occasion, de revenir demain. Et vous comprendrez par ailleurs que je réserverai l'essentiel de mes annonces aux participants à cette séquence. 3 thématiques pour donner corps à 3 grandes priorités. La première, c'est de promouvoir le lien social et la citoyenneté. Nous constatons que les personnes âgées souffrent aujourd'hui d'un défaut de représentation. Bien vieillir dans la cité requiert peut-être avant tout de redonner leur pleine citoyenneté à nos aînés, de prévoir des dispositions qui permettent de s'assurer que leur voix soit entendue dans toutes les décisions de politique publique qui les concernent, de reconnaître et de valoriser leur engagement et leur contribution propre, et de mieux prévenir toutes les formes de maltraitance qui les touchent. J'en suis convaincu, à 20 ans comme à 70 ans, personne ne doit décider de notre destin à notre place. Nous devons donc faire progresser notre démocratie et s'assurer que leur participation est facilitée et reconnue avec, à mon sens, 2 grands enjeux. D'abord, la lutte contre l'âgisme, en encourageant et en valorisant l'engagement des aînés, et ensuite, en luttant mieux contre les maltraitances et les violences. La 2e thématique abordée dans le cadre du CNR, c'est celle visant à valoriser les professionnels qui entourent les aînés. Il est urgent de travailler à l'amélioration de l'attractivité des métiers de l'autonomie, ces métiers qui constituent le 4e pourvoyeur d'activité en France. Ces femmes et ces hommes engagés pour nos aînés constituent un véritable vivier de talents. Nous devons aujourd'hui leur donner les moyens d'agir et de faciliter par nos modes d'organisation et de formation leur accomplissement et leur épanouissement professionnel. Pouvoir s'appuyer sur des professionnels qualifiés, engagés et épanouis, c'est une condition majeure pour rendre effective la société du bien vieillir, tout en répondant à la logique du plein emploi. Les nombreux professionnels que j'ai rencontrés ces derniers mois m'ont toujours dit la fierté qui est la leur de travailler dans ce secteur. Je m'en suis encore rendu compte le 17 mars dernier, lorsque j'ai organisé avec l'ensemble du secteur la première journée nationale dédiée aux aides à domicile, qui a été un véritable succès. Enfin, la 3e thématique, c'est celle visant à mettre en place une politique globale d'adaptation de la société. Car oui, prévenir la perte d'autonomie est un enjeu sociétal majeur. Il s'agit bien sûr d'investir dans la prévention et d'adapter le comportement individuel des personnes âgées pour maintenir leur autonomie le plus longtemps possible, en repérant les fragilités le plus en amont possible, en facilitant l'accès au sport ou encore en prévenant les chutes, première cause de mortalité des personnes de plus de 65 ans. Il s'agit tout autant d'adapter le logement que de faciliter pour les personnes âgées le recours aux aides techniques pour qu'elles puissent rester le plus longtemps possible chez elles.
et c'est encore plus globalement l'adaptation des territoires au vieillissement, et notamment des villes, des villages, en termes de mobilité, de mobilier urbain, de services de proximité, pour aménager l'espace collectif. C'est sans doute la thématique qui montre le mieux l'enjeu sociétal qui est devant nous. Maintenant, bien sûr, le ministre que je suis a un défi, celui de porter la parole de tous les citoyens, tous les professionnels, tous les experts et tous les élus locaux qui ont participé au Conseil national de la refondation et de la traduire en actes. Il y a une première étape demain avec cette restitution. Il y en aura une seconde la semaine prochaine avec l'examen de la proposition de loi de la majorité présidentielle en séance publique. Fin mai, je présenterai le plan d'action concret et opérationnel qui portera des mesures qui relèvent de la loi et qui n'en relèvent pas, en les replaçant dans une vision globale. Enfin, à la fin de l'année, nous aurons rendez-vous avec les mesures de financement dans le cadre de l'examen du PLFSS. C'est l'ensemble de ces mesures qui forment la réforme du grand âge dont je donne le coup d'envoi aujourd'hui. Cette réforme est attendue par tout un secteur, mais surtout par les Français. Et je me tiens justement à votre disposition, mesdames et messieurs les députés, pour répondre à vos questions sur cette perspective qui est véritablement, je le crois, celle qui nous permettra collectivement d'apporter une réponse aux enjeux dont nous discutons ce soir. Merci, monsieur le ministre. Nous en venons aux questions. Je vous rappelle que la durée des questions et des réponses est limitée à 2 minutes sans droit de réplique. Pour le groupe LIOT, monsieur Olivier Servat. Merci, madame la présidente, monsieur le ministre, chers collègues. D'ici 2050, la Guadeloupe sera le 6e département le plus vieux de France, alors qu'il occupait le 86e rang en 2013. D'ici 2030, il y aura sur notre archipel 100 jeunes pour 134 seniors. Pire, à côté, la Martinique sera le département le plus vieux de France dans 27 ans. Ces chiffres, monsieur le ministre, nous commandent une intensification des politiques publiques à l'endroit de nos aînés aux Antilles. Particulièrement préoccupé par ce vieillissement accéléré de la population aux Antilles, j'ai lancé en tant que président de la délégation aux Outre-mer à l'Assemblée nationale en 2020 une mission d'information sur le grand âge en Outre-mer. Était ressorti du rapport rédigé par les députés Stéphanie Adjé et Erika Baretz une quarantaine de propositions qui m'amènent à vous poser, monsieur le ministre, les questions suivantes. Premièrement, le dispositif législatif en vigueur au moment de la remise du rapport en février 2020 empêchait la construction en Outre-mer des résidences autonomie mentionnées aux articles L312-1 du Code de l'action sociale. La Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion préconisait, lors de son audition, que soit levé ce verrou législatif. La situation a-t-elle évolué depuis? Deuxième question, les rapporteurs préconisaient également un développement de la télémédecine, en permettant notamment à des auxiliaires de vie de déclencher des téléconsultations avec des praticiens dans des domiciles dotés de connexions Internet. En effet, vous savez combien nos territoires sont touchés par les déserts médicaux. Le Conseil national de l'Ordre des médecins a d'ailleurs indiqué que les médecins des Antilles-Guyane y étaient favorables. Votre ministère a-t-il déjà engagé des réflexions à ce sujet afin d'accompagner les départements et collectivités uniques en ce sens? Je vous remercie. Merci, monsieur le député, monsieur le ministre. Alors je vous avoue que sur la première question, je n'ai pas de réponse précise à vous apporter, donc on va faire vérifier les choses. Néanmoins, je pense que c'est un modèle, enfin, celui des résidences autonomie, qui est extrêmement important. J'en ai pas parlé dans mon intervention, mais évidemment, la promesse du virage domiciliaire, c'est aussi celle de faire en sorte qu'on puisse, entre l'EHPAD et le domicile, créer d'autres types d'habitats et de domiciles en collectif qui permettent de maintenir le lien social pour les personnes âgées et qui permettent aussi de leur apporter le service nécessaire, même si ce sont des personnes qui, en général, ont un niveau d'autonomie beaucoup plus fort que celui qu'on peut retrouver pour les résidents des EHPAD. Et donc, j'aurai à cœur, le cas échéant, si ce verrou n'a toujours pas été levé, de regarder ce qu'il est possible de faire. De la même façon, je vais travailler, je pense que la question de la télémédecine est effectivement une bonne question. Enfin, pour bien vieillir sur les territoires, l'accès à la santé, il est essentiel. Et il faut qu'on arrive à mieux coordonner, d'ailleurs, l'ensemble des professionnels sur ces territoires, via, pourquoi pas, la télémédecine,
dans des territoires avec des spécificités particulières. En tout cas, je serai extrêmement attaché dans la conduite des politiques publiques dont j'ai la responsabilité d'assurer vraiment une politique qui s'adaptera de façon très spécifique à ces territoires ultramarins. C'est d'ailleurs pour cela que j'avais choisi d'aller organiser un atelier du Conseil national de la refondation en Martinique au regard de la spécificité de ce territoire et du vieillissement accéléré et prématuré, à la fois du fait de, c'est une bonne nouvelle, de l'allongement de la vie des personnes vivant sur le territoire, mais aussi malheureusement du départ des jeunes et de la faible natalité qui est rencontrée sur le territoire. Et donc c'est là un défi majeur, me semble-t-il, pour nous tous collectivement, pour permettre demain à la population de bien vieillir sur le territoire. Merci, monsieur le ministre. Pour le groupe Rassemblement national, monsieur Christian Girard. Monsieur le ministre, madame la présidente, mes chers collègues, nous sommes ravis de pouvoir mettre à l'honneur le sujet du grand âge et de la politique ambitieuse qui doit l'accompagner. En effet, les travaux de l'INSEE en 2021 indiquent qu'en 2040, 15% de la population française aura plus de 75 ans, contre 6% il y a 30 ans. Ce sujet est donc tout à fait fondamental, d'autant qu'avec ce vieillissement accéléré de la population française, la part de dépendance va s'accroître à proportion du manque de soignants et de la multiplication des déserts médicaux. La crise sanitaire et les derniers scandales de maltraitance ont révélé que notre système de prise en charge de nos aînés était clairement à bout de souffle. Le rapport sénatorial « Bien vieillir chez soi » du 17 mars 2021 donne à cette fin un certain nombre de réflexions à prendre en compte en partant d'un constat simple. Notre outil national en faveur du grand âge est grandement défaillant. En cause, le manque croissant de personnel médico-sociaux, l'isolement, la solitude, l'absence de services de soins palliatifs étant d'autres causes. Une politique ambitieuse doit donc passer par une réflexion profonde autour de notre système, voire une remise en cause de notre modèle. Alors que nous savons que nos aînés veulent avant tout vieillir chez eux et non dans les EHPAD, nous souhaitions vous demander, Monsieur le ministre, si, dans le prolongement des recommandations du rapport mentionné, vous jugez également opportun d'arrêter la construction d'EHPAD et quels sont les outils que vous envisagez pour favoriser le maintien à la maison des personnes âgées dépendantes. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre. Merci. Merci, monsieur le député. Je vous confirme que la volonté qui est la mienne, c'est bien de répondre à la volonté des Français et aux souhaits des Français de vieillir à domicile. Et que pour cela, il faut effectivement qu'on change complètement de braquet et qu'on puisse permettre à ces personnes de vieillir à domicile. Comme je l'ai dit, c'est le domicile, c'est à la fois le domicile classique tel qu'on le connaît. Et donc, ça nécessite une adaptation physique, structurelle de ces domiciles. Et donc, c'est ce qu'on pourra faire avec le déploiement de MaPrimeAdapt du dispositif MaPrimeAdapt à partir du 1er janvier 2024, avec pour objectif d'accompagner les foyers les plus modestes dans l'aménagement de leur logement. C'est aussi l'adaptation plus largement de la ville, puisque pour bien vieillir à domicile, il faut aussi que l'environnement immédiat, au-delà du logement, soit aussi adapté. Qu'on puisse aller faire ses courses, bénéficier de transports qui soient accessibles, d'un aménagement du mobilier urbain qui soit aussi accessible. Et puis, c'est le développement d'une offre d'habitat intermédiaire. On parlait de résidence autonomie, ce qui me permet de vous confirmer, puisque j'ai eu la réponse, que le verrou a bien été levé dans le cadre de la loi 3DS pour pouvoir développer ces résidences autonomie en Outre-mer. Mais c'est le cas aussi sur l'ensemble du territoire métropolitain. Moi, je suis très favorable à ce qu'on aille plus loin, qu'on puisse donner un vrai statut à ces résidences autonomie. Ces résidences autonomie qui sont aussi développées dans les territoires ruraux. Je pense notamment aux MARPA qui sont soutenues par la MSA, qui sont des dispositifs qui permettent de vieillir en proximité, là où on a toujours vécu, dans son village, à la campagne. Et puis demain, il faudra qu'on continue à développer les EHPAD comme des centres ressources qui viendront soutenir, appuyer l'offre domiciliaire, notamment grâce à un appui des plateaux techniques qu'il y a aujourd'hui en EHPAD et de la mutualisation aussi des professionnels. Merci, monsieur le ministre. Pour le groupe La France Insoumise, monsieur Jean-Hugues Ratenon. Merci, madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues.
à part des grandes déclarations du gouvernement, il n'y a pas de politique à la hauteur des défis pour nos seniors, alors qu'il y a urgence et encore plus en Outre-mer. Urgence dans le domaine du logement. Selon la Fédération hospitalière de France, seuls 6% des logements sont adaptés à ce public. Hébergement dans les EHPAD, trop rare et trop cher, avec un personnel certes dévoué, mais épuisé faute d'effectifs supplémentaires. Les aides à domicile, les grands oubliés de la politique du gouvernement. À quand de nouveaux emplois, une revalorisation des salaires et l'amélioration de leurs conditions de travail? Quelle aide incitative pour les aidants familiaux qui, pour certains, sacrifient leur propre vie? Continuer à faire du marketing ou de la com sur ce vieillissement de la population est, à mon sens, irresponsable et indécent. Il n'est pas digne d'un grand pays comme la France de maltraiter nos seniors, tant ici dans l'Hexagone que dans les territoires ultramarins où les conditions de vie des personnes âgées sont encore plus difficiles. La France attend toujours cette loi grand âge, monsieur le ministre. Pourquoi avoir créé une cinquième branche de la sécurité sociale si les sources de financement sont dérisoires et très éloignées des besoins? Si nous voulons bien faire, à mon sens, ne faut-il pas, monsieur le ministre, créer un grand service public d'aide à la personne? Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre. Oui, alors, l'objectif de la réforme grand âge que j'ai mentionné dans mon introduction vise précisément à répondre à ce défi majeur. Je dis, je ne considère pas que la trajectoire de la branche autonomie telle qu'elle est prévue aujourd'hui ce soit dérisoire. C'est 10 milliards de plus entre 2021 et 2026. C'est déjà une somme assez considérable. Je vous confirme également qu'aujourd'hui, on a un problème sur la question de l'accessibilité de l'offre en EHPAD. C'est pour ça que la Première ministre a confié à la députée Christine Pires-Beaune une mission sur cette question qui rendra ses conclusions au mois de mai et dont nous pourrons tirer les conclusions et, le cas échéant, inscrire une transformation du modèle dans la loi. Et je pense que c'est quelque chose qui est attendu et que nous devons effectivement aux Français de pouvoir assurer cette accessibilité. Que je serai aussi attentif à ce que ce plan puisse aborder la question de l'attractivité des métiers, poursuivre les revalorisations salariales, travailler sur les modèles aussi de financement. Je pense que vous en avez parlé précédemment, et les modèles économiques tant des services à domicile que des EHPAD, permettre aussi de travailler sur l'organisation, la qualité de vie au travail, sur les parcours professionnels, sur la formation, qui sont des questions qu'on a beaucoup abordées durant les ateliers autour du Conseil national de la refondation. On aura une attention aussi particulière sur la question des aidants familiaux. Ministre des Solidarités, moi je crois profondément que nous devons s'assurer du développement la capacité des familles à assurer aussi un premier niveau de solidarité. La cellule familiale, c'est le premier niveau de solidarité dans notre pays. Ça doit être entretenu, ça doit être maintenu. On doit aider les familles, on doit aider les aidants familiaux à pouvoir aussi se reposer, à prendre du répit, à être soutenus. Et donc, on aura à cœur de développer dans cette réforme du grand âge toutes les solutions qui permettent de les soutenir. Merci, monsieur le ministre. Pour le groupe Les Républicains, madame Josiane Corneloup. Merci, madame, monsieur le ministre. Après les conclusions du CNR et les nombreux rapports qui ont été réalisés, j'appelle de mes voeux effectivement cette loi de grand âge, de programmation pluriannuelle, qui puisse déterminer la trajectoire des finances publiques pour préserver et accompagner l'autonomie des personnes âgées, personnes handicapées. Elle doit définir les objectifs de financement public nécessaires pour assurer tant le bien vieillir des personnes âgées, personnes handicapées à domicile, qu'en établissement pour recruter également les professionnels nécessaires. Et nous avons besoin d'une vraie trajectoire dans la durée, et nous avons besoin également que le grand âge soit pris dans sa globalité. Il faut bien sûr une augmentation des moyens financiers et humains adéquates. Nous devons bien évidemment développer la formation, l'attractivité des métiers du soin et du domicile, renforcer la médicalisation, avoir une offre de logement diversifiée répondant aux besoins spécifiques des personnes âgées, personnes handicapées et à leur niveau de dépendance. Nous devons également considérer particulièrement le rôle des aidants. Vous l'avez dit,
la population de plus de 60 ans va passer de 17 millions à 27 millions en 2050 et 4 millions de personnes seront en perte d'autonomie. Nous parlons beaucoup en ce moment dans le cadre de l'examen de la PPL Bien vieillir de la préservation de l'autonomie. Or, en fait, pour ce faire, il est indispensable de remettre le résident au cœur des priorités en rendant l'EHPAD plus humain. On constate un manque considérable de moyens humains et financiers. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, les soignants, par manque de temps, font à la place d'eux. Et ceci, bien évidemment, nuit à la préservation de l'autonomie. Les soignants ne peuvent pas accompagner les résidents comme ils le souhaitent. Ça crée beaucoup également de démotivation, d'arrêt de travail, et c'est tout à fait préjudiciable. De plus, nous aurons un virage domiciliaire qui va s'imposer, puisque 85% de la population souhaite rester à son domicile. Et donc, les EHPAD prendront en charge demain les personnes de plus en plus tardivement. Donc, il y a également un besoin accru de médicalisation. Et nous ne pouvons pas bien accompagner si nous ne soignons pas aussi dans la dignité. Donc, je pense qu'il faut vraiment considérer les notions d'astreinte de nuit. Il faut considérer la grosse problématique d'absence de médecins référents, de médecins traitants. L'autre jour, j'étais dans un EHPAD. Plus de la moitié des résidents n'avaient plus de médecin. C'est pourquoi j'ai déposé des amendements pour que les médecins coordonnateurs puissent prescrire lorsque la personne n'a plus de médecin, parce que ça pose un vrai problème. Et également, viser à développer la télémédecine, parce que je pense que c'est un outil téléconsultation, téléexpertise extrêmement intéressant. Je crois que si nous voulons redonner de la confiance aux Françaises et aux Français, aux soignants, il nous faut une vraie stratégie et que tous voient des avancées en adéquation avec leurs attentes. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Monsieur le ministre. Merci, Madame la Présidente, Madame la députée. Je vous confirme que nous avons besoin de cette visibilité, de cette programmation pluriannuelle. Ça a été l'objectif que nous recherchions avec la création de la cinquième branche. On a chaque année un débat qui permet de réajuster cette trajectoire au moment de la discussion de la loi de financement de la sécurité sociale. Cette année, cette discussion, elle se tiendra dans le cadre particulier des travaux qu'on aura faits. Et donc, ce sera l'occasion de rediscuter ensemble des moyens à affecter à cette branche autonomie qui nous permettra d'atteindre les objectifs qu'on va se fixer dans le cadre de cette réforme du grand âge. Vous dire que j'ai parlé un peu tout à l'heure de la question du virage domiciliaire. Effectivement, on est tous d'accord. Il y a un consensus sur le fait que les EHPAD vont avoir besoin de se transformer, de se médicaliser fortement hein, au regard du niveau de dépendance et du besoin en soins des personnes qui arrivent de plus en plus tard et de plus en plus dépendants dans ces structures depuis quelques années maintenant. Donc on a un vrai sujet de médicalisation. C'est pour ça aussi que le président de la République a souhaité que nous ouvrions, à partir de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, la trajectoire de recrutement des 50 000 soignants dans les EHPAD pour pouvoir augmenter le taux d'encadrement, le taux de soignants au chevet des résidents d'ici à la fin de la mandature. Il faut sans doute aller plus loin. Vous avez raison aussi. Je crois que vos propositions concernant l'évolution du rôle du médecin coordonnateur vont dans le bon sens. En tout cas, moi, j'y suis extrêmement favorable pour faire en sorte que ce soit le médecin référent pour les résidents et qu'il puisse prescrire autant que de besoin dans les structures. On a quand même un sujet aujourd'hui, malgré tout, de recrutement de ces médecins coordonnateurs. Donc on a de fait à travailler avec mes collègues de la santé, François Braun et Agnès Firmin-Legaudeau, pour pouvoir assurer ces recrutements dans des établissements qui vont être de plus en plus médicalisés. Merci, monsieur le ministre. Pour le groupe Horizon, monsieur Paul Christophe. Oui, merci, madame la présidente. Monsieur le ministre, alors rapporteur de la loi Cades et Autonomie, le 7 août 2020, j'ai pu introduire par amendement la création de la cinquième branche de la sécurité sociale. Alors branche plutôt que risque, puisqu'il s'agit à la fois d'embrasser tout à la fois le champ du handicap et du vieillissement, mais aussi la perte d'autonomie et le gain d'autonomie en soi. Aujourd'hui, nous sommes au milieu du gué et nous attendons avec envie les conclusions du CNR et vos propositions qui en découleront. L'occasion de rappeler d'ailleurs qu'on avait fléché à l'horizon 2024 0,15 points de CSG, soit de l'ordre de 2,4 milliards à l'époque, consacrés à la branche dont il est question. Aujourd'hui, évidemment, nous saluons, comme vous l'avez rappelé, les évolutions qui ont été constatées, même si nous en appelons d'autres. Je pense en particulier à la JPA, qui donc concerne aujourd'hui les GIR 1 à 4, l'indexation sur le SMIC, mais reste limitée dans la durée, puisqu'elle est limitée à 66 jours pour une personne aidée et à raison d'une seule personne par carrière.
Aussi, envisagez-vous de faire évoluer cette durée de 66 jours maximum et de permettre également de solliciter la JPA au-delà d'une personne aidée, puisque on voit bien qu'au travers d'une carrière, on peut être amené à aider plusieurs personnes plutôt qu'une seule. De même, ne pensez-vous pas qu'il faudrait repenser l'offre globale, premièrement en organisant différemment le porté à connaissance des dispositifs existants à partir d'une porte d'entrée unique ? Aujourd'hui, on voit que la disparité des dispositifs existants ne reste pas toujours accessible, alors qu'ils ont mérite d'exister, mais aussi en repensant l'organisation de l'offre, en confortant les passerelles entre EHPAD, services d'accompagnement à domicile, établissements médico-sociaux, ou pourquoi pas aussi le relayage. D'ailleurs, je serais heureux de connaître quelle est votre attente par rapport au relayage. On voit que l'expérimentation devrait se conclure en fin d'année. Quelle est la perspective que vous entendez donner finalement à ce dispositif ? Enfin, une organisation nouvelle comme une source d'offres globales renforcée et une capacité nouvelle offerte aux professionnels d'organiser une carrière à partir donc d'une offre ainsi diversifiée, autant de passerelles à connecter. Quel est votre sentiment finalement sur les évolutions de carrière que l'on pourrait donner demain à partir de cette offre globale ? Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre. Merci, madame la présidente. Monsieur le député, je vous confirme bien qu'à partir de l'année prochaine, on aura bien les 0,15 points de CSG qui seront affectés à la branche autonomie, donc sans doute pour un peu plus de 2,4 milliards d'euros en année pleine, ce qui nous permet voilà, d'afficher une forte progression sur la branche, en tout cas plus dynamique que sur les autres branches. Concernant la JPA, je pense qu'il faut qu'on ait de façon générale un débat global sur l'accompagnement des aidants et sur le statut des aidants. Je pense que voilà, la mise à jour aussi de la stratégie aidant qui s'arrêtait en 2022 va nous permettre de remettre cette question à l'ordre du jour. Je pense que c'est important qu'on puisse, comme je vous l'ai dit, aider tous les aidants familiaux en particulier à exercer leur mission auprès de leurs proches. Vous savez, mon engagement sur d'autres sujets ou sur d'autres types de situations. Je pense qu'il faut qu'on aille effectivement plus loin concernant les personnes âgées. Sur la question de l'organisation de l'offre, c'est vrai qu'on a assez peu parlé d'accessibilité. J'ai parlé du reste à charge. Je pense qu'on a un enjeu aujourd'hui de simplifier le parcours des familles et des personnes en perte d'autonomie. C'est une véritable angoisse aujourd'hui lorsque on se retrouve dans cette situation-là, avec un maquis de services et d'administration, en tout cas de différentes administrations et de services administratifs comme interlocuteur. Il faut absolument qu'on simplifie les choses. Je porterai une proposition d'enrichissement de la proposition de loi qui sera examinée la semaine prochaine à l'Assemblée pour pouvoir mettre en œuvre le service public territorial de l'autonomie tel qu'il a été imaginé dans le cadre du rapport de Monsieur Libault. Je pense que c'est important, je pense que c'est attendu qu'on ait demain un guichet unique sur les territoires, qu'on positionne aussi le département comme le chef de file clair du parcours des personnes âgées sur le territoire. Et puis enfin, juste un mot sur le relayage. Bien prévu qu'on étende, enfin voilà, qu'on sanctuarise cette possibilité, qui est une bonne possibilité, une expérimentation qui a bien fonctionné. On doit ouvrir des négociations néanmoins avec les partenaires sociaux pour pouvoir cadrer le dispositif. Mais mon intention, c'est bien voilà, de l'inscrire durablement comme une solution pour l'accompagnement des personnes âgées. Merci, monsieur le ministre. Pour le groupe écologiste, madame Eva Sas. Merci, madame la présidente. Aujourd'hui, la perte d'autonomie reste, malgré les annonces, le parent pauvre des politiques sociales et les familles sont souvent laissées à elles-mêmes devant cette épreuve de la vie. Les besoins financiers sont évalués à 10 milliards d'euros supplémentaires par le rapport Libault et vous indiquez qu'à terme, il y aura 10 milliards d'euros supplémentaires. Mais à ce jour, les nouvelles sources de financement, notamment la fraction de 0,15 points de CSG que vous évoquiez à partir de 2024, ne représenteraient que 2,4 milliards d'euros. Il semble donc qu'il y ait un écart entre les discours du gouvernement et les moyens réels, d'où ma première question. Quelles seraient les sources de financement supplémentaires que vous pourriez mettre en place dès 2024 pour financer la prise en charge de la dépendance à la hauteur des besoins? Et ma deuxième question concerne les modalités de financement. Les professionnels qui vous ont précédé souhaitaient tous un financement global pour les EHPAD et les structures d'aide à domicile plutôt qu'une dotation horaire. Êtes-vous prêt à faire évoluer les modalités de financement de la prise en charge de la dépendance pour répondre à cette recommandation des professionnels du secteur ?
Merci, Madame la députée. Monsieur le ministre. Alors, concernant le financement des structures, c'est des sujets qui doivent encore être traités, notamment sur la question des EHPAD, puisqu'aujourd'hui, on a des systèmes et des modèles économiques qui sont extrêmement complexes et cloisonnés, partagés entre l'ARS et le département pour les sections soins, dépendance et hébergement. Il y a une réflexion qui est en cours de simplification. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord aujourd'hui pour se dire que c'est trop complexe, c'est pas efficace et que ça nuit à l'efficacité, à la lisibilité du dispositif. Maintenant, il faut que nous continuions de travailler avec les départements pour trouver la solution la plus adaptée. Même chose sur la question des services à domicile. Je sais que les pilotes du CNR sur la question de l'attractivité des métiers, et en particulier celle des services à domicile, ont des propositions à faire, qu'elles nous remettrons et nous présenterons demain à l'occasion de la restitution du CNR. Moi, je compte bien m'en saisir et de pouvoir porter là aussi une réflexion sur l'évolution de ce modèle dont tout le monde s'accorde à dire là aussi que il a atteint ses limites et qu'il est très difficile dans ce cadre-là d'apporter une réponse massive, réelle et vraiment transformante aux difficultés que connaissent aujourd'hui les professionnels du secteur. Et c'est une préoccupation majeure. Quant à la question du financement, je vous l'ai dit, il y a une trajectoire qui est prévue aujourd'hui. On aura la discussion de son évolution au moment de la loi de financement de la sécurité sociale. Voilà, et on pourra aborder évidemment cette question de façon globale. Inutile de vous dire, et ça, moi je l'ai souvent dit aussi, mais que voilà, l'ensemble de notre système de protection sociale se tient, et que en fonction de la façon dont les choses évolueront d'ici là, il est probable qu'on n'aborde pas la situation de la même façon. Pour être très clair, si nous avons fait cette réforme des retraites pour équilibrer la branche retraite, et aussi pour que nous puissions porter une ambition sur les autres branches de la sécurité sociale et en particulier la branche autonomie. Voilà. Merci, monsieur le ministre. Pour le groupe, Gauche démocrate et républicaine, monsieur Pierre Dharréville. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, j'entends l'argument que vous venez d'avancer. C'est un argument qui n'a pas tout à fait été avancé comme ça dans la période précédente, dans les débats que nous avons eus sur la réforme des retraites. Ça ne m'aurait pas fait changer d'avis, je dois vous le dire. Parce que je pense que cette logique de vase communicant est très problématique et qu'au contraire, il y a besoin à la fois de garantir un âge de départ à la retraite raisonnable et un véritable droit à la retraite et que ça a des conséquences sur l'autonomie si on ne le fait pas. Et donc, je crois que vous prenez les choses à l'envers en disant les choses de cette façon-là. Bon, cela étant, sur le débat qui nous occupe aujourd'hui, on est en face d'une urgence qui dure. Et donc, je crois qu'il faut véritablement prendre des dispositions. Donc la question principale que j'ai à vous poser, c'est quel est le calendrier, en fait. Il y avait une grande loi qui avait été annoncée. Est-ce qu'elle aura lieu? Si oui, à quel horizon? Est-ce que le véhicule qui est actuellement en train d'être examiné sera cette grande loi, si tant est qu'il puisse l'être. Bon, voilà, c'est première question. La deuxième question, c'est celle de la construction d'un grand service public de l'autonomie dont nous avons besoin. C'est peut-être la première jambe sur laquelle il faudrait marcher. Puis la deuxième, c'est celle du niveau de protection sociale. Et aujourd'hui, il est insuffisant, avec un reste à charge qui est trop élevé pour beaucoup de familles. Et donc, on fait reposer sur les aidants tout ce qui, en réalité, devrait relever de la solidarité nationale. Et je dis au passage que je suis assez inquiet de ce que j'entends sur l'élargissement du droit du travail pour permettre le relayage. Et tout à l'heure, la représentante de la CFDT, si j'ai bien compris, a émis aussi des inquiétudes à ce propos et nous les partageons. En tout cas, pour aider les aidants, je crois que la première chose à faire, c'est d'aider les aidés
Et donc, ça veut dire qu'il y a besoin de cette meilleure prise en charge en termes de protection sociale et puis d'un service public de l'autonomie qui soit à la hauteur. Avez-vous prévu un grand plan de formation, par exemple ? Le rapport Al Khomri disait qu'il y avait besoin de 350 000 nouveaux professionnels d'ici à 2025. Quel est le plan ? Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre. Merci, monsieur le député. Vous abordez la question de façon large, peut-être en termes de méthodologie. J'ai essayé de l'expliquer dans mon introduction. J'ai annoncé aujourd'hui le lancement de cette grande réforme du grand âge qui a plusieurs composantes. Il y a cette composante, cette première brique qui va arriver dès la semaine prochaine, qui est la proposition de loi de la majorité. Voilà, c'est une proposition de loi, donc avec un objet de fait limité qui est celui d'une proposition de loi, qui néanmoins apporte des vraies avancées sur des sujets sociétaux, comme la lutte contre la maltraitance, sur la question de la prévention de la perte d'autonomie et du maintien dans l'autonomie, pour soutenir les aidants, pour soutenir les professionnels. Alors, il y a des mesures, et je sais que les discussions en cours, notamment en commission, vont permettre d'enrichir cette proposition de loi. Et je sais que vous aurez chacun à cœur d'apporter des enrichissements dans cette proposition de loi. Ce n'est pas le seul élément. J'ai dit qu'il y aura un plan d'action concret, opérationnel, qui sera présenté en mai, donc qui abordera d'autres questions. Il n'y aura pas que des mesures législatives, il y a aussi des mesures réglementaires et d'autres plans. Ce sera aussi le moment de donner une vision globale et interministérielle de cette question, puisque quand on parle, voilà, tout à l'heure j'ai parlé d'aménagement de la ville ou de logement, ça ne dépend pas que de mon ministère, mais de façon plus large, il y a aussi les questions de l'offre de soins, de la santé, qui pourront être reprises et donner une vision globale du sujet. Et puis, on aura des discussions structurantes au moment des lois de finances et lois de financement de la sécurité sociale en fin d'année pour aborder les questions qui ne sont pas mûres encore à ce jour, notamment de gouvernance ou de financement. Sur la question de la formation, peut-être pour terminer là-dessus, très rapidement, la Première ministre nous a demandé de travailler avec l'ensemble des ministres concernés par ces questions des métiers du soin, de l'accompagnement et du lien, un plan d'attractivité des métiers qui comporte une dimension, effectivement, formation extrêmement forte pour pouvoir multiplier les façons d'accéder à ces métiers avec le développement de l'apprentissage, avec le développement de parcours de professionnalisation dans les établissements. On a un sujet aujourd'hui de toutes ces personnes qui sont venues renforcer les équipes des établissements. Je pense notamment aux faisant fonction, pour lesquels on doit investir massivement pour pouvoir les qualifier et leur permettre d'exercer leur métier dans de bonnes conditions et pour assurer la qualité, la sécurité de l'accompagnement des personnes dans les établissements. C'est une mesure parmi d'autres, mais il est bien prévu que nous ayons ce plan métier. Merci, monsieur le ministre. Pour le groupe LIOT, monsieur le président Bertrand Pancher. Oui, monsieur le ministre, on a du mal à comprendre votre méthode. Vous engagez dans le cadre du Conseil national de la refondation sur une stratégie grand âge. Bon, très bien, là, dont acte. Parallèlement, on est abreuvé là ces dernières années de rapports qui ont été d'ailleurs souvent commandés par votre propre majorité, où on connaît là très clairement les montants dont on a besoin pour régler la question du grand âge. Il y a le rapport Libault qui a été largement discuté, 9,2 milliards de besoins financiers supplémentaires d'ici 2030, le rapport El Khomri qui estime le besoin de formation à 352 000 exactement aides-soignantes et accompagnants sur 5 ans. Et puis, on sait qu'il faudrait qu'on se fixe un objectif de 150 000 recrutements supplémentaires là, ces prochaines années. Ça a déjà, ça a déjà été dit. Bon, on nous annonce que la PPL Bien Vieillir serait la grande loi sur le grand âge, sauf que la PPL Bien Vieillir, elle arrive débattue actuellement et elle arrive avant la remise des conclusions du CNR. J'avoue que je ne réussis pas à comprendre pourquoi vous ne nous présentez pas un dispositif global sur lequel on puisse discuter, une loi programme détaillée sur
et notamment en termes de financement. Ça fait maintenant 8 mois, enfin plus de, enfin près de 10 mois que le nouveau gouvernement est maintenant installé. Est-ce que vous pourriez nous redonner des éclaircissements? Pourquoi vous êtes arrivé là sur ce morcellement de mesures? Une loi maintenant bien vieillir, une autre loi vous nous annoncez dans le courant du mois de mai, et puis le projet de loi de finances en fin d'année. Est-ce que réellement les moyens vont être à la hauteur des besoins, c'est-à-dire exactement quels moyens et quel calendrier pour mettre en œuvre ces moyens, puisque la loi de finances, c'est pour l'année prochaine, et on est malheureusement un peu dubitatif sur les poursuites des trajectoires pour régler la question du grand âge. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Président, donc je vais vous répéter ce que j'ai dit. Enfin, on a choisi une autre méthodologie, effectivement, que celle d'un projet de loi de programmation. Je porte une réforme du grand âge qu'on a choisi de construire avec nos concitoyens, avec les personnes concernées, avec les familles, avec les professionnels, avec les élus sur le territoire, dans le cadre du Conseil national de la refondation, et dont les éléments qui doivent être traduits dans la loi seront discutés au Parlement, tantôt dans le cadre de la proposition de loi portée par la majorité, tantôt pour les questions gouvernance et financières par les lois prévues à cet effet, qui sont des lois de programmation, puisque chaque année vous revoyez la trajectoire pour les 5 ans qui suivent en la réajustant aux ambitions. Et donc à ce moment-là, en fin d'année, cette année, vous aurez la vision globale de cette réforme du grand âge, et que vous pourrez, dans le cadre de vos discussions, traduire dans les chiffres, dans les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale. Donc tout ça est bien séquencé et bien ordonné. Demain, on a une première restitution du CNR qui pourra aussi alimenter vos débats dès la semaine prochaine. Et puis, on aura en mai, non pas une loi, mais la présentation d'un plan d'action, encore une fois, concret, qui donnera une vision globale. Il y a des mesures législatives, il y a des mesures qui ne sont pas de nature législative, mais réglementaires ou autres. Et ce plan nous permettra vraiment d'avoir cette vision globale et transversale, co-construite, encore une fois, avec nos concitoyens, sur la base des rapports qui ont été produits, et chacun dans le cadre qui est le sien, notamment vous, parlementaires, au Parlement, vous vous approprierez toutes ces questions-là. Donc pour moi, c'est séquencé, c'est logique, et on aura bien une vision globale, et derrière, les débats qui permettront d'assurer les moyens nécessaires pour mettre en œuvre cette vision globale. Merci, Monsieur le Ministre. Pour le groupe LIOT, Monsieur Laurent Panifous. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Monsieur le Ministre, vous avez évoqué la société du lien et le lien qui doit être recréé pour nos aînés, que ce soit à domicile ou en établissement. On parle des problèmes d'organisation de nos établissements. On parlait tout à l'heure en commission de la création de conférences pour essayer de structurer la prévention. On parle de la problématique d'attractivité avec Madame Encombry tout à l'heure, de nos métiers. On parle des problèmes de maltraitance, on parle de problèmes d'aide aux aidants. Et finalement, j'ai personnellement depuis très longtemps le sentiment qu'on traite des symptômes alors qu'il faudrait traiter la maladie. Et la maladie, c'est le manque de moyens. Alors, cette difficulté, c'est pas votre gouvernement, ça n'est pas votre ministère, c'est pas vous, Monsieur le Ministre, qui l'avait créé, et vous essayez bien sûr de trouver une solution à cela. Mais je vois aujourd'hui, avec le texte bien vieillir, depuis des années, une multitude d'initiatives pour créer de nouvelles structures, pour réorganiser finalement notre système de protection sociale, notre système pour accompagner nos aînés, que ce soit à domicile, encore une fois, en établissement. Et on ne fait que réorganiser tout le temps parce qu'on manque de moyens, qu'on n'a pas la vraie solution. Aujourd'hui, vous avez parlé de la volonté d'aller chercher
les moyens pour créer des postes. Vous avez annoncé les 50 000 postes, notamment en EHPAD, l'augmentation du nombre d'heures auprès des personnes à domicile. Et je pense que c'est la mère des réformes. Le président Pancher a évoqué tout à l'heure la question des 10 milliards qui ont été évoqués et qui font, je crois, à peu près consensus sur les moyens nécessaires, au moins à l'échelon des années à venir, pour pouvoir apporter une vraie solution, à la fois à domicile et en établissement. Et ma question va être de savoir où allons-nous pouvoir trouver ces 10 milliards. Je sais qu'il y a la question de la solidarité nationale qui a été évoquée tout à l'heure. Il y a aussi la question de l'assurance privée que, personnellement, je ne partage pas, mais je sais qu'il y a une multitude de solutions pour aller chercher ces 10 milliards. J'espère que ces 10 milliards seront une étape, mais j'aimerais avoir un peu plus de visibilité sur notre capacité à le faire réellement. Je vous remercie. Merci, monsieur le député, monsieur le ministre. Oui, merci, madame la présidente, monsieur le député. La trajectoire aujourd'hui de la branche autonomie, elle prévoit déjà une augmentation de 10 milliards entre 2021 et 2026. Alors, 10 milliards qui ne sont pas consacrés à la question des personnes âgées, puisqu'il y a aussi des financements pour les personnes en situation de handicap. Beaucoup de financements d'ailleurs qui sont croisés, puisque les dispositifs qu'on va mettre en place sur les territoires, notamment en termes de services, d'aide et de soins, et l'adaptation aussi des logements et de la cité, vont permettre de bénéficier à tous. Mais voilà, il y a déjà néanmoins une trajectoire qui est volontariste. Moi, je vous redis, hein, il y aura une discussion au Parlement sur la question de la trajectoire cet automne, dans le cadre des lois de finances. La députée Pires Beaune, qui travaille sur la question du reste à charge, va faire aussi un certain nombre de propositions, tant sur le modèle économique des EHPAD que sur leur accessibilité financière et sur les leviers financiers qu'on peut être en capacité d'utiliser. Voilà, moi, je pense notamment aux questions de contribution aussi des personnes en fonction de leurs revenus. Ce n'est pas aujourd'hui forcément possible partout, notamment dans les établissements habilités à l'aide sociale. Donc voilà, il y a une question qui sera posée. La question aussi des recours sur succession. On aborde dans la proposition de loi la question de l'obligation alimentaire des enfants et des petits-enfants. C'est des questions que vous allez aborder. Il y a la question qu'on doit aussi effectivement examiner de la mobilisation de financement privé, notamment celui des assurances. On a les mutualistes qui aujourd'hui proposent des solutions pour aussi contribuer à accompagner les familles à gérer ce risque, entre guillemets, perte d'autonomie. Donc on va regarder aussi sur ces questions-là. Et puis, je le redis, il y a des choses qui sont assez simples à faire. Aujourd'hui, on a une société et des initiatives citoyennes qui permettent aussi d'apporter des services qui ne sont pas coûteux sur les territoires associatifs, par la mobilisation d'initiatives citoyennes, par la mobilisation aussi de la solidarité familiale qui, me semble-t-il, doit être aussi développée dans notre pays. Merci, monsieur le ministre. Pour le groupe Liotte, monsieur Pascal Lecan. J'ai pris un peu d'avance sur... Pardon. Merci, madame la présidente, monsieur le ministre, chers collègues. Moi, je voudrais poser quelques questions un peu terrain. Je suis un jeune élu. J'étais maire il n'y a pas longtemps. J'étais président d'un EHPAD qui était rattaché à un CHU et d'une résidence autonomie. Et justement, sur les résidences, je vais poser plusieurs petites questions jusqu'à deux minutes. Sur la résidence autonomie, on voit qu'on accompagne de plus en plus longtemps à la maison, avec les ADMR et d'autres structures, les gens et qui vont de plus en plus rapidement tomber en EHPAD directement. Et ces résidences autonomie, il y a un vrai problème de modèle économique et qui, à mon avis, pourrait être résolu en gagnant-gagnant, en l'ouvrant plus à l'intergénérationnel. C'est trop faible aujourd'hui. Si on pouvait monter à 20-25%, on développerait l'intergénérationnel, on assurait leur pérennité. Sinon, c'est un danger de viabilité pour les collectivités territoriales. C'est ce que j'ai ressenti en gérant ces établissements. Deuxième chose, vous avez parlé tout à l'heure sur le reste à charge. Si on veut plus facilement le limiter, comme c'est votre souhait, est-ce que vous pourriez clarifier les compétences entre les départements et les ARS pour le maintien des personnes âgées à domicile, donc c'est plutôt le département, et leur accompagnement en EHPAD, plutôt ARS? Est-ce qu'on va évoluer là-dessus pour aller vers un financeur unique? En termes de statut, une petite remarque, j'ai découvert il n'y a pas longtemps, en ayant rencontré des aidants,
les familles d'accueil d'enfants ont un vrai statut. Les familles d'accueil d'adultes et de handicapés ne cotisent pas au chômage. Est-ce qu'on peut se pencher sur leur statut? Parce qu'elles sont très importantes. Je vais vite pour brosser 4-5 sujets. Ensuite, pour soulager les aidants et les soignants, est-ce qu'on pourrait envisager peut-être une généralisation du service d'accueil de nuit pour que les aidants puissent souffler? Et pour les soignants, dans le cadre du service public départemental autonomie que vous appelez de vos souhaits, est-ce qu'on pourrait pas envisager, comme en agriculture, d'y greffer un service de remplacement qui pourrait répondre aux demandes des différents? Et enfin, j'ai fait une sorte de CNR local il n'y a pas longtemps dans ma circonscription avec une quarantaine ou une cinquantaine d'établissements. La généralité, quand j'ai posé la question à la fin, il y a un taux d'encadrement de 0,61. Ils disent qu'à 0,80, il fonctionnerait bien. Passer de 0,61 à 0,80, je ne sais pas si les 50 000 suffisent, mais j'aimerais connaître votre trajectoire. Et l'ARS et le département étaient là. Je crois que c'est important qu'on se fixe une trajectoire à moyen terme. Merci. Merci, monsieur le député du groupe MoDem. Monsieur le ministre. Merci, madame la présidente. Monsieur le député, je vais essayer de répondre rapidement à l'ensemble de vos questions. La première sur la question des résidences autonomie. Je suis d'accord avec vous. Je vous dis que pour moi, c'est un modèle qu'il faut développer. Et effectivement, aujourd'hui, il y a un certain nombre de communes qui se retirent parce que c'est devenu extrêmement coûteux et difficile à gérer. Et donc, il faut qu'on encadre un peu mieux et qu'on soutienne ces résidences autonomie qui permettent justement une offre accessible pour les ménages les plus modestes, parce qu'on s'en sort avec des loyers entre 500 et 800 euros, donc ce qui est relativement accessible, en tout cas beaucoup plus accessible que les EHPAD. Il faut qu'on lève les freins qui permettent effectivement de faire plus de mixité, plus d'intergénérationnel. Il faut qu'on lève les freins aussi pour pouvoir étayer quand même un peu en soins ou en accompagnement à domicile les résidents de ces résidences autonomie qui, de fait, avec le temps, perdent aussi un peu en autonomie, mais peuvent tout à fait finir leur jour dans ces établissements, notamment grâce à des services d'hospitalisation à domicile, lorsqu'il s'agit notamment d'apporter des soins palliatifs. Je vous dis, sur la question, vous avez raison de lier la question du reste à charge avec la question de la simplification de la gouvernance et des modèles économiques des EHPAD. C'est un sujet qui est sur la table. On est tous d'accord pour le simplifier. Maintenant, il faut qu'on se mette d'accord sur celui qui va bénéficier de cette simplification et prendre la charge des EHPAD. Et c'est une discussion qu'il faut qu'on poursuive avec les départements qui nous ont fait des propositions, notamment d'expérimentation de ce sujet. Donc on se dit qu'on peut peut-être continuer à discuter pour peut-être trouver une solution plus pérenne à court terme, parce que expérimenter, ça va aussi ramener de la complexité pour d'autres raisons dans le système, parce que c'est une transformation qui est quand même assez lourde. Je dis sur l'accueil familial, je pense qu'il faut qu'on donne un statut à ces familles, qu'on leur permette d'accéder effectivement au chômage, enfin voilà, à l'assurance chômage notamment. C'est des questions qu'on abordera dans le cadre de la discussion autour de la proposition de loi, mais j'y suis extrêmement favorable. Idem sur, vous avez parlé de services d'accueil de nuit, mais de façon générale, c'est des offres de répit en fait dans les établissements pour venir soulager, étayer les familles. Vous parlez d'un service de remplacement. Alors, je ne sais pas si ça doit se faire dans le SPTA, mais c'est des choses qu'on peut regarder. Je sais qu'il y a aujourd'hui un certain nombre d'opérateurs qui se sont regroupés justement pour essayer de pallier en fait ces difficultés et de créer des pools en fait de professionnels pour pouvoir soutenir et remplacer en ayant une massification des besoins. Et vous dire que la trajectoire des 50 000 personnels soignants supplémentaires devrait nous permettre d'atteindre un taux d'encadrement aux alentours de 0,75, donc de 0,75, qui n'est pas encore les 8, mais ce qui améliore déjà considérablement ce taux. Merci, monsieur le ministre. Et pour le groupe LIOT, là j'en suis sûre, monsieur Benjamin Saint-Huile. Merci, madame la présidente. Je vais essayer de rester dans le groupe pour perturber personne. Monsieur le ministre, dernière question sympathique pour clore la soirée. On a beaucoup parlé des moyens tout au long de nos échanges et particulièrement autour des personnels soignants. Je veux revenir sur une question d'actualité au regard de l'avis de la Haute Autorité de Santé qui a été rendu il y a quelques jours. Vous le savez, la question de la réintégration des soignants a été
l'occasion de débats parfois houleux au sein de l'hémicycle. J'ai en souvenir la niche qui avait été présentée par nos collègues insoumis qui avait occasionné en fin de soirée une situation difficile. Je m'exprime au nom du groupe Lyot et donc avec en tête la problématique ultramarine où la situation a été plus prégnante qu'ailleurs sur le territoire hexagonal. Et donc je voulais, à la suite des premières déclarations du ministre Braun ce matin, vous entendre sur la manière dont vous voyez, en termes de calendrier, de méthode, la réintégration des soignants, particulièrement dans les territoires d'outre-mer et dans les EHPAD, où la pression constante qui a été évoquée tout au long de cette soirée ne trouvera pas réponse strictement à travers la réintégration des soignants, mais pourrait trouver un début de commencement de réponse. Merci de pouvoir nous éclairer sur le calendrier et la méthode retenue. Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre. Merci, madame la présidente, monsieur le député, pour cette dernière question. Si j'ai bien compris, on va travailler avec François Braun. J'ai pas de calendrier à vous donner précisément ce soir, mais on va travailler dans la lignée de ces annonces et de l'avis de la Haute Autorité de Santé sur ce calendrier. Je sais qu'il y a des questions peut-être parce que je vois monsieur le député. En Guadeloupe, c'est une question qui est beaucoup plus prégnante encore qu'ailleurs dans d'autres départements et avec des actualités qui nécessitent sans doute qu'on apporte des réponses rapides pour éviter des décisions, notamment de fin de contrat ou de sortie de professionnels des établissements assez rapidement. Donc on va y travailler le plus rapidement possible. On doit aussi en discuter avec l'ensemble des organisations du secteur pour pouvoir assurer cette réintégration des professionnels dans les meilleures conditions possibles. Merci, monsieur le ministre. Le débat est clos. Prochaine séance, demain à 15h, question au gouvernement. Vote solennel sur la deuxième lecture de la proposition de loi visant à protéger les logements contre l'occupation illicite. Question sur les errements de Parcoursup et les difficultés de l'enseignement supérieur. La séance est levée.